choix politique aussi, a voulu s'inscrire dans un engagement global et une démarche de promotion de la santé publique de proximité et de qualité de vie. Au-delà de la mise en œuvre des politiques métropolitaines, certains d'entre vous se disent qu'on est bien loin de nos compétences, nous avons adopté, en 2019, un contrat local de santé dont l'Institut Verdonnier est co-signataire avec notre partenaire. Au titre de notre compétence, nous intervenons également en matière de soutien à l'enseignement supérieur et à la recherche, et je préside pour ma part la commission développement économique dans laquelle nous analysons et nous passons d'ailleurs cette convention sur le travail et nous finançons la recherche. Plus personne aujourd'hui n'évoque l'idée de ne pas financer la recherche et l'enseignement supérieur, et c'est heureux parce que la recherche en a bien besoin. Au titre de nos compétences, nous intervenons également pour investir sur des projets innovants, pour accompagner des chercheurs, des femmes et des hommes d'horizons différents, mais au service d'un même objectif. C'est pour nous, à Bordeaux Métropole, aider à préparer l'avenir, croire en la force de la recherche et du progrès, et quelque part contribuer aussi à donner un peu d'espoir. Alors, bien sûr, beaucoup de défis restent à relever, Madame la Présidente, particulièrement en médecine, mais nous disposons sur notre territoire de très nombreux atouts. Je pense bien évidemment à la Fondation Mervoyer, aux lauréats qui vont ce soir, à ceux que vous représentez, personnel de santé, médecins, chercheurs et tous ceux qui contribuent à faire avancer la recherche. Nous avons été aux côtés de la Fondation Mervoyer, de la région Nouvelle-Aquitaine et de la ville de Bordeaux lors de la création en 2019 de ce prix Josier Rifers, qui a largement contribué à faire progresser la lutte contre le cancer en récompensant deux jeunes chercheurs au parcours exceptionnel pour des travaux de haute qualité. Aujourd'hui, pour cette édition 2023, ce sont à nouveau trois talentueux chercheurs qui sont récompensés et vont s'approcher de nous. Permettez-moi de présenter mes félicitations aux trois lauréats. Madame Émilie Kessais, et excusez-moi si je vais parler. Monsieur Morgan Bloch, dites-moi comment il peut le dire. Mata Martine Bornez. J'ai évoqué les mots d'émotion, de progrès, de vie, d'espoir, et je pourrais ajouter l'excellence. Je crois que vous en êtes ce soir les plus beaux représentants pour cette soirée. Merci à vous tous. Merci. Madame la présidente de la Fondation, Madame l'adjointe au maire de Bordeaux. Ah ben, si vous mettez derrière moi, je ne vais pas pouvoir vous voir. Mettez-vous par là. Mesdames et messieurs les chercheurs, toute la communauté de cancérologie est ici réunie. D'abord, je me joins au remerciement de Marie envers la Fondation pour ce travail renouvelé au service des patients atteints de cancer. Un travail extrêmement important et qui se joint aux travaux qui sont faits par beaucoup de fondations, beaucoup d'associations et surtout beaucoup de chercheurs dans toute la grande région Nouvelle-Aquitaine. Et c'est un bien parce que dans cette région qui avance en âge, la question du cancer est une question qui est tous les jours plus prégnante, qui touche des gens, on est tous touchés, tout le monde a quelqu'un autour de soi qui est touché par cette pathologie, par ces pathologies. On regarde les mains de la forme de Bervoyer qui nous disait que le cancer, c'est une idée, le cancer, j'ai compris. Pour laquelle il y a donc d'immenses progrès en cours, ces progrès en cours auxquels vous participez certainement, d'immenses progrès en cours qui sont à la fois une satisfaction de voir que l'investissement dans la recherche, et y compris dans la recherche fondamentale comme on le fait là aujourd'hui, porte leurs fruits. Vous le savez sans doute pour la plupart, le conseil régional
investi de façon massive dans la recherche dans tous les domaines, mais en particulier dans la santé, en particulier dans le cancer. Et c'est vrai qu'on voit que ça porte ses fruits. Et c'est vrai aussi que ça attire des jeunes professionnels, des jeunes chercheurs, des brillants chercheurs. Et qu'on en a besoin pour aujourd'hui, on en a besoin pour demain. Il y a des espoirs exceptionnels dans le domaine de la cancéro. Moi, j'aimerais bien qu'on donne un jour une deadline avec ce prix Jodi Alfer. On pourrait se dire que, allez, dans 10 ans, c'est terminé, on n'a plus besoin de prix, d'accord ? Ça sera fini. On aura trouvé pour 10 ans. Pour les faire travailler. Un peu, bref, non, mais c'est surtout qu'on va travailler. Donc voilà, c'est à la fois la satisfaction de voir que ça avance, à la fois l'espoir qu'on va aller de plus en plus vite, l'espoir aussi que les financements pour la recherche, alors nous on apporte notre petite pierre, la Fondation apporte la sienne, je pense qu'on l'apporte tous, je pense que c'est pour l'instant jamais suffisant, et que en particulier dans la recherche fondamentale, je ne suis pas sûre que les financements dans la recherche exceptionnelle qui sont arrivés ces dernières années soient aussi allés sur le fondamental, et je pense que c'est important. Et donc, à ce titre-là, encore merci. Bravo. Je suis très heureuse que la région participe à ce prix. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Il me faut commencer par vous demander d'excuser le maire de Bordeaux, Pierre Lhermé, qui est aussi premier vice-président de la métropole, qui ne peut pas être avec nous ce soir, et qui m'a confié la belle charge de le représenter parmi vous. Je suis chaque année très heureuse, bien sûr, de saluer trois lauréats jeunes, brillants et ô combien utiles pour le besoin auquel nous nous confrontons tous. Tous les vivants sont des corps fragiles, et la solidarité entre nous tous vivants, c'est justement cette solidarité face à la mort. Donc, nous parlons de cancer, nous parlons vraiment d'une épreuve qui va souvent jusqu'au deuil, encore trop souvent, et devant laquelle nous rebiffons et nous tremblons. Et nous attendons donc d'autant plus des découvertes et l'avancée de la recherche à cet égard. Donc, la municipalité de Bordeaux soutient vraiment beaucoup la recherche. Et par rapport à ces moyens, la dotation du prix Jodi Alfer, ce qui est renouvelé cette année, j'ai le plaisir de l'annoncer, donc à même hauteur et pour de trois nouvelles années, et un effort vivement réfléchi. Mais nous sommes très très heureux, bien sûr, toutes et tous, à la municipalité de Bordeaux, de consacrer à la recherche, parce que c'est la recherche qui va nous aider vraiment, une fois que le mal est déclaré, à en réduire les conséquences. Nous sommes en novembre, donc c'est aussi Movember, et je lisais ce matin que nous avons en Aquitaine 208 nouveaux cas de cancer de la prostate déclarés en ALD cette année 2023. Heureusement, avec seulement 10 décès pour ce qui est de l'année dernière, enfin des chiffres de l'année dernière. Donc, ce sont des prises en charge de plus en plus efficaces, mais malgré tout, le besoin est croissant lui aussi, puisque on commence à faire des liens de plus en plus avérés entre certains perturbateurs endocriniens, par exemple, dès la vie fœtale, et l'exposome en général, avec les conséquences des plastiques partout sur notre planète, dans l'océan et dans nos assiettes, des conséquences sur les cancers et la fréquence des cancers. On sait qu'en 50 ans, par exemple, une femme qui avait un risque sur 22 d'avoir un cancer du sein, aujourd'hui, elle a un risque sur 8, c'est-à-dire 3 fois plus de risques. Quelle est la différence entre il y a 50 ans et aujourd'hui? Eh bien, c'est évidemment l'exposome, mais en particulier les perturbateurs endocriniens, les plastiques et tous ces produits qui nous empoisonnent, non pas petit à petit, mais de plus en plus vite. Donc, à cette course répond aussi la magnifique course de la recherche que vous avez su déployer et qui sont prometteuses, puisque je fais confiance au président du conseil scientifique, Roger Martin, pour avoir choisi avec son comité les tout meilleurs dossiers. Et d'après ce que j'ai lu dans les petites notices qui résument chacune
de vos recherches, c'est tout à fait prometteur et convaincant. On attend beaucoup sur le cancer du pancréas, on attend beaucoup sur l'hépatoblastome de l'enfant, on attend aussi beaucoup sur les cancers du sang, les LMC et tout ce qu'on peut trouver comme traitement ou même simplement comme compréhension des mécanismes et de la géométrie, de la mathématique du développement des cancers, des recherches interdisciplinaires que je salue aussi et qui supportent bien évidemment l'avenir. À l'échelle de la mairie, nous emparons avec détermination de ces sujets de santé qui font partie des compétences générales d'une ville et qui, depuis le Covid, se sont imposées comme compétences également de plus en plus légitimes pour une ville. Dans le réseau des villes santé UMS, par exemple, nous sommes très actifs pour revendiquer ce rôle et cette place à la hauteur, bien sûr, de nos moyens et aussi en développant la prévention et l'information en démocratie sanitaire des habitants par les relais des associations, des partenaires, de tous les partenaires. Nous venons de signer une convention avec l'Institut Bergonié, nous en avons signé une il y a 2 ans avec le CHU, ville CHU, ville Institut Bergonié, tout ça pour développer davantage des actions d'information, de sensibilisation, de prévention. Nous le faisons également auprès de nos agents. J'étais encore hier au restaurant de la métropole, ici même, pour sensibiliser les agents au danger du tabac, qui est un des premiers cancérigènes connus, bien sûr, et qui renferme 7000 produits, donc on ne sait pas très bien ce qu'il représente, mais en tout cas, les lobbies sont bien présents pour maintenir cette appétence à fumer, et à travers les puffs, on s'attaque maintenant aux jeunes enfants. Donc ce sont des combats que nous devons mener, il faut que les politiques et les chercheurs soient à la hauteur de ce combat contre ceux qui veulent marchandiser et la santé et la maladie. Je vous remercie, je vous souhaite vraiment... Bonsoir à tous, mesdames les élus, chers amis, chers mécènes, beaucoup de joie d'être là ce soir et de nous trouver ici. Marie Régal, merci de ton accueil et une mention pour les équipes de la métropole qui ont été formidables pour l'organisation de cette soirée. Donc, un grand merci à eux. Beaucoup de joie pour ce prix. La première joie d'abord, c'est que je sais le prix Josie Rifers. Josie Rifers a été vice-présidente ici en charge du développement économique élu à Bordeaux et à la métropole. Donc, c'est aussi une boucle qui se tourne. Il a été. Un grand directeur général de l'Institut Bergonié, et c'est à lui qu'on doit la création de la Fondation Bergonié. Donc je pense que là on est sur tous les sujets, et j'en profite pour excuser sa famille qui en général est là, et qui malheureusement ce soir ne peut pas être avec nous, mais dont on connaît l'attachement à ce prix, et au fait que le nom de Josie perdure, et perdure dans la transmission et dans la recherche. Donc une première joie là, une deuxième joie sur le fait que ce prix est intelligent. Tous les prix sont intelligents, mais celui-là est très intelligent. Et je laisserai tout à l'heure la parole à Roger Martin, qui est le président du conseil scientifique, qui nous expliquera pourquoi ce prix est intelligent. Il me regarde avec des grands yeux, si vous allez faire ça très bien, Roger. Et juste un tout petit chose pour vous dire le mécanisme. En fait, nous faisons un appel à projet... que les post-doctorants chercheurs, que vous êtes jeunes chercheurs, répondent. Et ensuite, c'est le conseil scientifique qui décide de la pertinence et des lauréats. Une troisième joie, c'est parce que ce prix va être pérennisé. Voilà, vous l'avez dit. Donc, merci, madame. Merci, mesdames. Voilà, on travaille. François, on va y arriver. On va travailler, mais voilà. Merci la métropole, merci la ville et merci la région. Parce que c'est intelligent. Et pour ma part, moi, j'aimerais remercier Marina, qui travaille beaucoup pour ce prix. Merci à vous, Marina. Marina Mas, qui est la directrice générale de la Fondation Bergonié. Et je vous remercie les mécènes qui sont là, parce que c'est grâce à vous si nous pouvons aujourd'hui participer à ce prix. Je vous rappelle que ce prix a une dotation de 200 000 euros. 50 000 euros de chaque partenaire qui sont là autour de la table et autour du pupitre. Donc merci, chers mécènes. Vous voyez, vraiment, on vous remercie. Vous avez
Vous avez, hier soir, nous avions le conseil d'administration où justement notre président du conseil scientifique nous donnait les projets que nous allions financer cette année, puisque cette année nous allons avoir une dotation à peu près à hauteur de 1,7 million d'euros pour des projets financés à l'Institut Verbenier. Et on voyait entre hier soir et ce soir, et ben, mécène, pourquoi vous êtes là? Voilà, là vous savez pourquoi vous êtes là. C'est concret, ce sont des jeunes chercheurs qui vont s'y mettre, qui ont commencé déjà à s'y mettre, qui sont, vous l'avez dit, dans l'excellence. Et donc, on sait pourquoi aujourd'hui on travaille tous les jours et pourquoi on est réunis dans cette lutte contre le cancer. Donc, merci beaucoup à tous. Roger, Martin, peut-être quelques mots. Et en même temps, on va présenter les lauréats. Voilà. Ok, alors, juste peut-être quelques éléments de contexte. Le conseil scientifique examine les dossiers qui lui sont proposés pour l'attribution du prix JASIREFER. C'est, vous savez que une année, c'est la récompense d'un chercheur très établi dans le cancer. On sait très bien, je sais qu'il y a une récipiendaire d'une année récente qui est parmi nous. C'est très bien de récompenser les chercheurs reconnus. Mais deux autres années, c'est les financements de post-doctorants, comme cette année. Et les post-doctorants, il faut que vous sachiez que dans la réalisation des projets de recherche, ils sont fondamentaux. Ce sont des chercheurs qui, après avoir fini leur doctorat, vont travailler, après avoir fini leur doctorat sur un sujet très précis, vont aller travailler sur un autre sujet pendant en général un ou deux ans. Et c'est une opération gagnant-gagnant, parce que pour les post-doctorants, ça leur permet d'élargir leur spectre de travail et d'acquérir un petit peu ce statut de chercheur senior. Et pour les projets, c'est fondamental parce qu'ils viennent avec leurs compétences, les compétences qu'ils ont acquises pendant leur doctorat, qu'ils mettent à disposition des projets. Donc c'est vraiment quelque chose de très important. La France n'était pas très bien positionnée sur les post-doctorats. Il y avait peu de financement pour embaucher les post-doctorats. Donc c'est très réparti dans les pays anglo-saxons ou en Europe. Et donc c'est très bien qu'il y ait des systèmes, en l'occurrence la Fondation, qui puisse permettre aux laboratoires d'une part et aux post-doctorants d'autre part de bénéficier de financements qui permettent de faire avancer de manière extraordinaire ces projets. Parce qu'encore une fois, ce qui est intéressant maintenant, c'est peut-être ce que voulait dire Marie-Belle tout à l'heure en disant que c'est un prix intelligent, c'est que c'est une opération gagnant-gagnant. C'est une excellente expérience pour les post-doctorants et c'est fondamental pour l'avancée des projets. Donc on est très contents, on a reçu 7 dossiers. On en a sélectionné 3, si on avait pu sélectionner les 7, on l'aurait fait. Et vous allez voir, ce sont 3 projets qui vont se présenter, qui sont très différents et qui montrent toute la richesse des travaux qui vont être entrepris. Je suis sûr qu'ils sont géniaux. Bonsoir, madame, monsieur. Tout d'abord, je tiens à m'excuser pour mon français et j'espère m'améliorer au cours de mon séjour au Rhodes. Je vais remercier la Fondation Verbenier pour m'avoir accordé ces bourses et je tiens aussi à remercier la Fondation pour son travail extraordinaire en soutenant de la recherche sur le cancer. Je tiens à remercier le docteur Pernon et Magie Cathy pour proposer le projet de recherche financière et pour m'avoir offert l'opportunité de travailler dans son laboratoire. Ce projet a, comme je dis, étudié la répartition géographique des cellules immunitaires du cancer du pancréas et la réponse au traitement. J'espère que les résultats contribueront de manière significative à l'avancement de la recherche sous le cancer du pancréas. Enfin, je tiens à remercier la Fondation Verbenier, les cofinanciers de la bourse de JASIREFER, ainsi que les autorités locales présentes ici ce soir, pour leur engagement en faveur de la recherche médicale. Votre soutien nous encourage dans notre recherche de solutions dans la lutte contre le cancer. Merci beaucoup à tous pour votre attention. Thank you.
Messieurs, bonsoir. Je tiens tout d'abord à remercier la Fondation Garonnier pour m'avoir accordé sa confiance et m'avoir donné l'opportunité de travailler sur ce projet de recherche à l'interface entre la chimie et la biologie. Pour moi, c'est un projet qui a du sens puisqu'il vise à développer une thérapie innovante et très prometteuse dans le traitement de l'hépatoblastome, qui est un cancer pédiatrique du foie qui reste mortel pour un enfant sur 5. Mon projet de recherche est le fruit de la collaboration entre l'équipe de chimie ChemBioPharm de l'unité ARMA et l'équipe MIRCAD de l'Institut d'oncologie de Bordeaux. Des travaux récents effectués par l'équipe MIRCAD suggèrent qu'il est aujourd'hui possible de corriger certaines mutations à l'origine de l'hépatoblastome par thérapie génique à l'aide de la technologie CRISPR-Cas9. Alors, cette technologie a été récompensée par le prix Nobel 2020 qui s'est vu décerner à une Française et une Américaine et qui consiste en la modification de manière très précise du génome d'une cellule. Elle permet notamment d'ôter un gène, d'en ajouter un, de remplacer une séquence ADN ou même de corriger une mutation bien spécifique, ce qui offre de nombreuses perspectives en santé humaine et notamment dans le traitement du cancer. La technique CRISPR-Cas9 est donc une boîte à outils qui contient tout l'équipement nécessaire pour modifier le génome cellulaire. En permettant la correction de mutations dans les cellules anormales d'un patient, l'édition génique ouvre la voie à la thérapie génique dans le traitement de maladies génétiques rares et de nombreux cancers dont l'émergence découle directement d'altérations génétiques. Sur le plan recherche et développement, un défi majeur réside dans le transport de ces outils moléculaires qui sont constitués de protéines et d'acides nucléiques, puis de les faire entrer préférentiellement dans les cellules tumorales d'un patient qui porte les mutations à corriger. Le cas du vaccin anti-Covid à ARN messager, la démonstration la plus récente et la plus indiscutable que véhiculer des acides nucléiques est non seulement faisable aujourd'hui, mais également très pertinent en santé humaine. Ainsi, les outils CRISPR-Cas9 peuvent être vus comme des nouveaux médicaments précieux et fragiles qui doivent être protégés par un système de transport jusqu'à leur destination finale, la cellule tumorale. Donc, plusieurs types de véhicules existent. Certains sont d'origine virale, d'autres sont d'origine synthétique et découlent d'approches chimiques. Et dans le projet que nous avons développé, nous allons synthétiser des véhicules chimiques qui soient à la fois biocompatibles, biodégradable, sûr pour les patients, modulable et donc potentiellement adaptable à chaque type de tumeur. Et c'est là qu'intervient mon rôle en tant que chimiste qui sera de fabriquer ces nouveaux véhicules. Une fois assemblés et étudiés sur le plan physico-chimique, l'équipe MIRCAD testera les meilleurs candidats et les évaluera, notamment leur capacité à corriger les mutations à l'origine de l'hépatoblastome avec comme seul et unique objectif d'entraîner la mort des cellules tumorales sans nuire aux autres cellules saines de l'organisme. Ce mois-ci, l'Agence de la Santé et du Médicament britannique a autorisé pour la première fois de notre histoire l'utilisation de la technologie CRISPR-Cas9 dans le traitement de la drépanocytose et de la bêta-thalassémie. Cela représente donc une avancée très significative qui ouvre des perspectives révolutionnaires pour la médecine personnalisée et donc pour tous les patients. Cette actualité trouve d'autant plus d'écho dans le cadre de notre projet en oncologie pédiatrique soutenu par la Fondation Garonnier. Voici donc de manière vulgarisée le projet que nous allons développer. Bien sûr, de nombreux défis nous attendent dans la conception des véhicules qui devront démontrer leur efficacité et également leur non-toxicité avant leur transfert en phase clinique. Mais la mise sur le marché de thérapies géniques dans les maladies génétiques et la preuve que ce nouveau mode de traitement est envisageable pour les patients atteints de cancer, et ce, quel que soit leur âge.
Je remercie donc à nouveau très sincèrement la Fondation Bergonier, le comité scientifique et tous les donateurs pour avoir choisi de soutenir ce projet interdisciplinaire qui se fera au sein de l'unité INSERM sur le campus Carrère de l'Université de Bordeaux. Je tiens à remercier les docteurs Valérie Guéverne et Christophe Grosset pour leur accueil chaleureux et bienveillant et de la confiance qu'ils m'accordent pour mener à bien ce projet. Enfin, merci à toutes et à tous pour votre attention. Comme c'est une croix de vigne, je suis heureuse de lui remettre son prix. Il y a toujours entre Poitiers et Bordeaux en ce moment. Là. Là. Bonsoir à tous. Je remercie vivement le conseil scientifique de la Fondation Bergonier d'avoir retenu mon projet, ainsi que les membres du bureau d'avoir accepté de m'octroyer cette bourse. Je remercie également les cofinanceurs, la région Nouvelle-Aquitaine, la mairie de Bordeaux et Bordeaux Métropole. Mon projet a pour but d'étudier le système immunitaire des patients atteints de leucémie myéloïde chronique, afin de pouvoir l'utiliser comme arme thérapeutique et ainsi permettre, peut-être un jour, d'arrêter le traitement anticancéreux de ces patients, car ce cancer s'exprime sous la forme d'une maladie chronique. La leucémie myéloïde chronique est un cancer qui touche la moelle osseuse et le sang. Il est dû à la survenue d'une anomalie génétique au sein d'une cellule souche dans la moelle osseuse, qui peut toucher tous les âges, et entraîne une production excessive de globules blancs qui, sans traitement, va évoluer vers la leucémie aiguë. À l'heure actuelle, cette maladie est traitée par une famille de médicaments très efficaces qu'on appelle les inhibiteurs de tyrosine kinase, et elle permet à la majorité des patients d'avoir une survie identique à la population générale. Cependant, ces traitements, bien que très efficaces, ne permettent pas de guérir, puisqu'il existe un contingent de cellules souches leucémiques qui ne sont pas sensibles au traitement et qui vont constituer un réservoir de la maladie. Donc le patient doit donc prendre son traitement tous les jours par voie orale et en théorie à vie. Donc à cela, donc, il y a trois conséquences. Le fait d'avoir des effets secondaires chroniques, modérés, de la diarrhée, des problèmes de peau, des crampes. Parfois des toxicités sévères, malheureusement, des complications cardiaques ou respiratoires. Et un coût aussi important pour la collectivité, puisque ça reste des traitements aujourd'hui coûteux. Donc aujourd'hui, nous considérons qu'environ 10% des patients sont capables de se passer du traitement, de ne pas rechuter après arrêt de leur traitement. Mais on n'est pas aujourd'hui en mesure de dire exactement pourquoi ces patients, plus que d'autres, gardent une maladie en sommeil, tandis que d'autres vont immédiatement rechuter et reprendre leur traitement. Donc l'objet de mon projet, c'est d'étudier le système immunitaire. C'est ce que je vais faire dans le laboratoire Immunoconseil, dirigé par Madame Julie Deschanes-Verville. Nous allons nous focaliser sur des globules blancs dotés de propriétés antitumorales, qu'on appelle les lymphocytes T gamma-delta. L'objectif est de pouvoir démontrer leur implication dans ce contrôle de la maladie une fois que le traitement est stoppé et ainsi pouvoir potentiellement proposer des stratégies d'intervention sur le système immunitaire pour que plus de patients puissent définitivement arrêter leur traitement. Donc ce projet me tient particulièrement à cœur car je suis aussi hématologue et clinicienne. Je m'occupe de tous les patients atteints de l'ALC au CHU de Poitiers. Donc, vous connaissez bien leurs problématiques du quotidien et tous les espoirs qu'ils placent dans la recherche sur leur maladie, qui a déjà bénéficié d'énormes avancées médicales et en a fait profiter tout le domaine de la cancérologie. Ensuite, ce projet fait partie également d'un projet médical et scientifique plus large grâce au soutien de mon groupe d'experts français de l'ALMC, qui s'appelle le FI-ALMC. Donc, c'est un membre aussi présent et un grand représentant. Donc on va pouvoir étudier plusieurs acteurs du système immunitaire grâce à la mise en place d'une collection à l'échelle nationale avec de nombreux centres qui sont impliqués, et notamment à l'Institut Bergonier. Il y a un essai clinique aussi qui va démarrer tout prochainement, qui va permettre également d'aller plus loin dans nos questions fondamentales à l'immunologie. Et puis à titre personnel, il s'agit de ma mobilité postdoctorale. Ça va me permettre d'approfondir mes connaissances en immunologie, d'acquérir de nouvelles compétences et pouvoir continuer à proposer des projets dans le domaine de l'immuno-oncologie. J'ai la chance d'intégrer un laboratoire d'excellence qui dispose d'une renommée internationale sur les T gamma delta. Je les remercie vivement pour leur accueil.
Merci. Merci à tous. Je crois qu'on a à peu près tout compris. Si vous n'avez pas compris, ils sont là. Vous avez aussi François-Xavier Marron, qui est directeur de Bergonier, un certain nombre de médecins qui peuvent répondre à vos questions. Et voilà, merci, merci à tous de ce, vraiment de ce joli prix. Excusez-moi, au point, hein, une photo, je vais parler à Roger. Roger, enfin, vous parlez ? Et on va faire une photo, mais voilà, merci, vous travaillez, c'est très égoïste en fait ce prix, vous l'avez dit tout à l'heure, en fait vous travaillez pour notre avenir à nous, parce que quand on écoute tout ça, on a un peu quand même, voilà, hein, donc merci en tout cas et très bon travail à vous tous, merci à tous.